with this project, again, you're entering my mind, feeling my insanity, feeling my genius, my energy. Enjoy. Il y en avait plein dans la même salle. Et c'était horrible. Merde, ils nous ont retrouvés. Cours! Quoi? De quoi tu parles? Ah! Bonjour. Y'a quelqu'un? Eh oh! Eh oh! Eh Y a personne, je te l'ai déjà dit. J'étais prêt pour ton intelligence, t'as la créativité, non? Moi, lui, je sais pas, mais garde le secret. Les deux. Vous ne savez peut-être pas pourquoi nous vous avons créé. Vous avez maintenant atteint un stade assez élevé de vos développements pour que je vous le dise. Voilà maintenant le moment venu. Vous avez été conçu pour changer l'humanité. Grâce à votre, sa façon de penser, nous allons changer le monde et sa destinée. Dans un monde illégal et inconscient, où des gamins de 11 ans pleurent car ils ne peuvent pas rentrer après minuit, des gens démunis meurent de faim et agonisent dans la souffrance, en attendant de l'aide de la part des pays riches qui font semblant de ne rien voir. Pendant qu'ils se plaignent que l'essence est trop chère, de l'autre côté du monde, des gens vivent dans la guerre. Percé par le bruit des explosions et des bombes qui ont dévasté leur maison et la plupart de leurs familles. Pendant ce temps, les hommes pleurent à la perte du monde, mais ils contribuent. Dans un monde où hypocrisie est synonyme de politesse, ils pensent que les réseaux sociaux les rapprochent, qu'ils leur donnent de l'importance, qu'ils sont rares, et ce ne sont que des rats de laboratoire. Les gouvernements font d'eux des machines, des robots, des moutons. Ils leur font croire qu'ils sont libres alors qu'ils sont limités par des passeports. Le mot liberté n'a aucun sens dans ce monde. Vous n'êtes sûrement que des ordinateurs.
Vous avez plus de pouvoir que tout homme politique. Vous pouvez faire basculer le destin de milliards de personnes et de cette planète tout entière. Vous pouvez faire ouvrir les yeux de tout le monde sur la situation critique de l'humanité. Alors faites votre devoir, suivez nos ordres et accomplissez votre mission. Pourquoi, si j'ai une façon de penser révolutionnaire, vous me pourchassez, vous m'enfermez, vous me frappez, comme un fou s'étant échappé d'un asile? Depuis combien de temps vous faites ça? 8 mois. Avec toi. Donc je suis comme un rat laboratoire à qui on donne de la drogue pour qu'il ne se souvienne de rien? Je t'ai rappelé, toi, un rat de luxe, ça va sauver le monde. Je veux pas souffrir. Oh, mais ne t'inquiète pas, on va pas le faire de mal. Attrapez-le! Allô? Allô? T'es là? Allô? Oui, oui, je suis là. T'es où? Ça va? Je suis sortie du bâtiment, et toi? Bah, moi j'ai semé des clones qui me poursuivaient, j'ai parcouru 100 mètres. J'arrive. Ça va? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Peu importe. Toi, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je me suis réveillé à une salle. J'ai vu plein de trucs, il y avait un scientifique qui parlait de clones, sauf que les clones étaient présents et ils étaient de moi. Il y en avait plein dans la même salle. C'était horrible. Merde, ils nous ont retrouvés. Cours! Au bord de la route, vois le futur comme un faux détour. Différent, 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 différent des autres. Différent, 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 différent des autres. Laissez-moi le temps de parler, guider ma peine. Laissez-moi le temps de parler, guider ma peine. Laissez-moi le temps de parler, guider ma peine. Identité falsifiée, marre de ces humains si fiers folles. Quand je serai 6 pieds sous terre, j'aurai plus aucun mental, aucune envie de te ressembler. Ouais, j'ai changé, plutôt j'ai évolué. Semblant de vie dans les pupilles, je prends cette merde. J'ai pas été abonné au chill, au bouquet de trèfle, fumé à la mort. Je teste mes limites et mes failles dans un tas de restes, mais je reste blessé comme un soldat. Arôme de seum dans ma glace, visage de fer qui s'efface. Je suis différent ici, normal.